Bonjour tout le monde, nous sommes les Ocarina Knights et aujourd'hui on se retrouve dans un donjon d'Oracle of Ages. Alors que fais-tu de beau? Je m'amuse avec ma super canne de Somario et... et donc du coup, on était dans le donjon Couronne. Et donc du coup, pour couronner le tout, on va... Se faire tirer dessus. Méchant. On va monter. Donc. Oui, il y avait une salle, c'est le boss, mais en fait... Va-t'en toi là! Incroyable ça. Toi tu veux pas espacer ta vie tranquille là et tu te fais attaquer comme ça alors que... Mais c'est pas vrai. Vous êtes trop méchants. Bref. Dans l'épisode précédent nous avons récupéré... Oh purée, je me suis dit en plus... Ah je voulais arrêter la vidéo sur le boss, j'aurais dû monter en fait. Enfin le mini-boss. Ah on connaît les boss qui nous jettent des trucs et qu'après faut leur jeter dessus. Avec des aimants. Par contre, pourquoi le machin il... Parce qu'il est trop bas. Non mais pourquoi il disparaît? Pour que tu perdes. Allez. C'est trop rigolo. Ah. Oh. En fait, il fait ça exprès pour pas que tu l'enchaînes. C'est un coquin. Bah alors, où est-ce que tu l'envoies là? Je veux pas mourir. Bon, en fait... Ah. Il y en a un peu marre au bout d'un moment là, de courir après un mob qui court trop vite. Voilà, très bien. On a battu un boss. Enfin, un mini-boss. J'ai cru que j'allais tomber dans le vide. Moi aussi j'ai cru. Ouais mais l'inventaire il se remplit bien. J'allais dire que je vous fais... seul. Dans la dernière vidéo je voulais m'arrêter justement boss. Après avoir battu le mini boss, mais je me suis dit bon allez tant pis. Non mais c'est pour que cette vidéo commence avec beaucoup d'action. Exactement. Parce que après tout n'oublions pas que nous sommes dans le jeu de l'action, n'est-ce pas? Bon. Pourquoi? Non mais arrêtez. Arrêtez-moi s'il vous plaît là, je... J'ai utilisé une graine Pégase, je voulais pas. Arrêtez-moi, je veux tout le temps attaquer, moi c'est indécent. Bon, c'est pas grave, heureusement qu'on a utilisé la graine Pégase finalement. Non mais tout était sagement calculé, bien évidemment. Regardez là. Oh mais c'est des... Oh non ok, c'est des Darnotes, je suis obligé de les affronter. Ah, oui. C'est un peu... Ouf, hey, t'as vu. Mais finalement, tout était... Non mais les Darnotes c'est un peu la base de Zelda, tu vois, t'es obligé de les affronter sinon... Ah oui c'est vrai, on peut casser les peaux quand on prend le truc qu'on veut. Mmh. On a Brise Roche ou je sais pas comment ça fait. J'attends toujours l'attaque sautée où tu te plantes dans le sol avec l'épée et la cape de roc. Mais comme il n'y a pas de cape de roc dans ce jeu, c'est mort. On sait jamais, il y a peut-être une belle surprise à un quelconque moment dans le jeu. Tenez, prenez la cape de roc, même si c'est pas écrit niveau 1. J'avoue, c'est un autre objet. Non. Ah non, ok, là c'est pour retourner. Ah, tu as des clés? Ouais. Avoir les clés, c'est une chose, mais. Ouais, j'avoue. En fait. Ah bah ça valait le coup de faire ça. Mais, technique de tricheur, tu vois, mais technique de tricheur, ils ont pensé, tu vois. T'imagines bien que Capcom, ils vont pas laisser l'outil du cheese. Oui, mais là c'est toi qui t'es jeté volontairement des trucs rouges. Oui. Bon, finalement, on va devoir y aller. Oh, ok. C'était très intéressant, merci d'avoir joué. Mais non. Ah bon, par contre, il faut attendre que le truc touche. Et oui, sinon elle disparaît. Oh, ouf, j'allais dire, regardez, lui, là, il me fonce direct dessus, il n'y a même pas... Il n'a pas le temps. Et ça va encore te forcer à utiliser une clé. Alors que finalement... On peut faire le tour. Et après on est bloqué. Bravo. J'avoue, est-ce qu'on peut le faire sans, tiens?
Tonton. Ouf, c'est juste, hein. Ça me paraît fort compliqué, surtout quand t'as ces deux idiots là qui sont là. Ils sont là pour ça, justement. Ouais, il va falloir se faire l'idée que... Ah, ils ont tout pensé. Cette clé est utilisable ici et maintenant. Ouais, non, ils ont... Il faut l'anneau qui permet de choisir quand est-ce qu'on veut que la bombe explose. Ah, ils ont pensé à tout. Ah, ils ont pensé à tout. Je te force à utiliser tes pauvres petits objets comme ça, là. Mais non. Tout ça pour ça. Oui, t'essaies de me tirer dessus, mais... Tu n'as pas la puissance. Et voilà, on a plus de clés. Et voilà, coup. Bravo, hein. Oh ah oui, d'accord, là, par contre, on a vraiment zéro clé, quoi. Oh là là. On va essayer autre chose. C'est forcément un lien avec ici, du coup. Oh. Est-ce que ça nous envoie où? Ici. Ouais. Peut-être que je peux monter sur ça, en fait. Oh. Ah, voilà, c'était juste ça, en fait. Tranquille. Oh. Oh, il m'a eu. Tu lui avais fait un gentil bloc et tout. Par contre... Après, quand on n'a plus le... Quand on n'a plus le machin... Ça devient bien plus ardu. Incroyable. Il y a un secret dans cette salle. Attention, c'est une clé. Ce donjon, il aurait dû aller dans le donjon de la symétrie. C'est vrai que finalement... Pourquoi est-ce que le donjon de la ligne droite, il était dans le village de la symétrie? Parce qu'il est plus facile. C'est vrai, hein. Bon, en fait, tu me diras, il pouvait très bien nous envoyer après là-bas. Ah là là, quel dommage. Il faudrait inventer dans les futurs jeux que l'épée est jamais déséquipable. C'est bon, on va pouvoir continuer. Incroyable. Yes. Quelle aventure. Au revoir. Oh, regarde là, c'est le plus dangereux de tous les... Ah oui, très dangereux. J'ai eu très peur pour toi. Bah il est terrible, hein, honnêtement. Il est terrible. Wow, un hibou. Attends, je suis obligé de lui parler quand même, parce que là... Ça fait trop longtemps qu'on n'en a pas vu, là, genre, c'est inadmissible. Amène-les-moi tous. Je veux tous qui m'entourent. Parce que j'imagine que... Je n'ai pas d'amis. Il n'y a pas d'ordre particulier. Non, je pense pas. Mais après, on peut faire un truc joli en mettant... Ah, si, il y en a un, quand même. Hein. Mmh. Oh. Ah oui, c'est bon. Ça va être pénible. Ah oui. Porte. Voilà. Je suis prêt. Quoi? Je peux pousser. Non, c'est oui, mais non, je peux pousser parce que... Ah, tu peux en pousser deux. Mais oui, tu peux pousser dans le même temps. Bon, c'est pas grave. Tu peux... Voilà. J'en suis pire un moment. Si, on va faire un bloc. Pour le séparer, c'est pendant un jeu de pousser une porte. Voilà, c'est bon. Maintenant, il faut aller condamner le rouge. Le rouge qui a très très envie de bouger, tu le sens, là. Oh, c'est pas très organisé, les couleurs, hein. Bon, va-t'en, Link, là aussi, pousse le truc.
Oh que ça me va, j'aime bien. Oh cette disposition, elle me plaît. Ouais. Ça va, il est content. C'est tout ce qui compte. C'est l'essentiel. En soi, je pourrais essayer un quit, ça ira beaucoup plus vite. Je pense que oui. Que de... Mais d'un côté, est-ce qu'on veut pas aller chercher super coffre avec une graine gacha, non. Allez, si c'est pour le plaisir, c'est pour le plaisir de la complétion. Voilà. On est content. Incroyable, vous avez gagné 20 rubis. Mais non, c'est génial. Tu vois, ce n'était pas une graine gacha, tout va bien. Est-ce que j'aurais préféré une graine gacha, je ne sais pas. Ouais, bah, mauvaise graine. C'est clair, là. Ouais. De radin, vous pouvez pas me donner les bonnes graines, là? Jamais! Bon, c'est pas grave, voici le boss. C'est l'heure de notre petite partie. Si tu peux me pousser, tu gagnes. Mais avant que tu n'y arrives, je vais prendre un peu de ton âme en avant. De ton âme, genre les cœurs? Wow. Si tu arrives à me pousser, tu gagnes. Ça reset la musique? Ouais, ouais. Rapuré, lui, j'avoue que je m'en souviens pas trop. Hein. Un boss énigme! Il passe au travers. Ouais, non, mais non, on peut pas le pousser. Ah, oui, mais il faudrait peut-être qu'il se rende dedans. Il faut réussir à. À les mettre sur le même plan. Qui se rentre dedans. Oui, il passe à toi. Bah non, voilà, c'est bon, ok. C'est pas déjà fini. Si. Mais non. Ouais. Il te fait plusieurs énigmes, vois-tu. Ah, c'est rigolo. Ah, bah là, c'est perdu. Ah, bien. Ne t'inquiète pas. Il revient par se rencontrer un jour. Mince. Complètement raté. Ah, c'est bon. C'est un peu le mini-jeu de... Ça, c'est un boss énigme. Ouais, c'est... Mais je comprends, tout à l'heure, j'ai bien placé un machin et il est passé à travers, non? Oui. Bah... Oh, monsieur, là, quand même! Oh, bah voilà! Oh, c'est beau. Avec la petite musique qui reset à chaque fois, mais parce que c'est la meilleure musique, donc. Oh, purée, il a feu. Il m'a bien eu. Oh, j'avais pas compris. Les bêtises là. Oh bah, ils veulent prendre ton âme, ils ont dit. Allez! Non, dommage! Oh non, non il a bon décidé de mourir là! Mais c'est vrai qu'en fait, je peux l'arrêter. Marche mieux en fait comme ça du coup. Attends le truc là. Pas dommage. Ouais on peut pas enchaîner. Oh, non, c'est... Oh, c'est... oh oui, oh non. Ça me paraît pas mal quand même. Bon, c'est pas grave, on va rester comme ça, c'est très bien. C'est très bien. Ils les ont plus de ce chemin. Mais non mais hé, le tricheur là, t'étais censé fusionner avec eux. Peut-être pas, peut-être qu'ils sont jamais sur le même plan. Si, si, ils sont sur le même plan. Là. Arrêtez de mentir, ils ont menti, moi j'aime pas les menteurs. Ah, c'est bon. Oh, parce que c'était bougeable. Ah, vous avez poussé. Ah, d'accord, ok. Mais bien, très bien. Oh, c'est pour les faibles, ceux qui poussent là, non mais. Ah, bah tiens, ils poussent juste là. La terre sacrée. Ah, bah c'est l'endroit avec la Triforce. Ouais, tout ça. Et naissance du temps, tout ce qui dort dans les entrailles de la terre connaîtra la chaleur nourrissante de la terre sacrée. On est redevenu dans l'oracle des saisons. Bah les saisons, le temps, tout est un peu lié finalement, tu vois. Eh oui. Salut, c'est moi l'arbre, bonjour.
Et tu penses que du coup, dans l'oracle des secrets, tu maîtrisais la météo? Oh, Carrie, j'entends encore. Alors, en fait, je peux te répondre oh. très exactement qu'en réalité, ça devait être l'oracle des secrets, l'oracle du temps. Du temps. Ouais. Genre le Quel temps. Temps le temps, le temps, le temps. Ah, d'accord. Le temps, d'accord. La temporalité. Oui, parce que c'est le héros du temps. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, du coup, bon, bah, ça a été recyclé dans Ages. Parce que Ages, à la base, devait juste être un jeu d'énigmes, finalement. Ouais, il n'y avait pas avant, voilà. C'était... Il n'y avait pas la notion du temps. Il n'y avait pas la notion du temps. J'entends encore une essence près de Roule-Roche. Enfin, ça devait être un même un petit peu plus précis, du style on pouvait voyager entre le temps, genre le matin, le soir, etc., etc. Je crois que quelqu'un vient. Ah. Hein? Oh, j'étais en train de creuser un tunnel et je suis arrivé ici. Eh, hey, que faites-vous là? Savais-tu que les jeux sont devenus super à la mode à la Roule-Roche? Bah, y faire un tour. Ah, très bien. Allez, c'est moi qui reprends les commandes. Bah, allez, à Roule-Roche! J'avoue, c'est de là d'où on vient. Ouais, c'est de là d'où on vient. Mais d'accord. Le deuxième trou, ce n'est pas là d'où on vient. Ah ouais, tu vois, comme une musique beaucoup plus sympathique. Avait toujours les chauves-souris quand même, parce que. On ne change pas une équipe qui gagne. Mauvais choix. Ah mais après voilà. Il y avait deux choix, j'ai pour rejoindre les Gorons, ce n'est pas aisé. D'ailleurs lui il s'est endormi tu vois. Genre. Ah, comme le tunnel est fini, nous avons des nouveaux arrivants. Les Gorons ont ouvert des échoppes. Tu devrais y aller. Parfait. Non. Non. J'ai failli tomber. Oh, il y avait quelque chose. Oh, une fée. Cet escalier mène à la base de Roule-Roche. Ça a changé, Roule-Roche. Ah ouais, tu connaissais déjà avant. Oh, oh ça c'est bien, ça c'est bien. Salut. Les Gorons ont toujours aimé les jeux. Il faut que tu joues aussi. Ah bah je suis sûr que l'eau, elle serait très très enthousiasmée quant à votre jeu, effectivement. À l'est d'ici, la danse Goron fait rage. Ah. Si c'est pas dansé, t'auras pas d'amis. Eh ouais. N'oublie pas que maintenant nous avons les graines de Pégase. Donc nous pouvons courir vite pour récupérer les bêtises de Maple. On va les mettre dès maintenant. Mais c'est pas vrai Maple, mais c'est quand tu donnes des trucs là genre... On se retrouve. Et puis elle veut des bombes, Maple. Mais c'est quoi ça? Il y a deux rubis qui sont tombés par terre aussi. C'est... Allez, salut. Non mais. Bon, je sais que c'est pas par là, mais. On bat des records. On s'éloigne de Roule-Roche là. Ouais, bah carrément, oui. On s'éloigne. Mais on s'éloigne à fond de. On s'éloigne, je dis n'importe quoi là, je veux dire. Je veux dire, j'ai jamais vu Maple aussi radine de ma vie, hein, genre. C'est pas grave, elle a tout perdu. Bah, pour perdre des trucs, faudrait déjà qu'elle ait quelque chose, en fait. Hein, parce que... Là, clairement, elle a rien. Non, clairement, elle a rien. Alors... Ah, d'accord, c'était des corbeaux... Oh, un quart de cœur. Y a rien qui va. Bon, après, faut pas oublier qu'on pourra voyager dans le temps, bien sûr. Le fameux... On est déjà dans le futur, on est d'accord. On est dans le futur. Enfin, dans le présent. Ouais. On ne va jamais dans le futur. C'est vrai, ça. Salut. Vous êtes le joueur? Il y a un vieux Goron qui peut forger les épées Bigoron. Il paraît qu'il existe un Goron de la taille d'une montagne en Holodrum, c'est vrai? Oui. On va dire le secret. Ah mince. À ce Bigoron, alors. Jnichnichnich. Non. Ok. On va dire le secret à ce Bigoron géant, là. Ok. Va lui dire. Non mais tu me le redis si je... Oui c'est bon. Va lui dire, ok. Comment je pouvais savoir ça? Ah c'est des rochers qu'on peut bouger. Ah ceci explique cela. Mais est-ce qu'on ne devrait pas visiter ça dans la prochaine partie? Bah sûrement, je pense qu'on va s'arrêter là. Le donjon couronne, il était bien long. Bref, merci à tous d'avoir regardé cet épisode et à bientôt pour le prochain. Au revoir tout le monde.